Salut à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo de présentation, nous allons un petit peu reparler du calibre 50, le fameux HDP 50 de la marque Humarex. Il fonctionne avec des cartouches de CO2, développe une puissance de 11 joules, propulse des petites billes caoutchouc de calibre 50. Il existe plusieurs modèles de ces billes, notamment des billes métal. Nous allons voir ensemble le rechargement de la cartouche CO2 ainsi que le déchargement de cette cartouche. Ensuite, nous verrons directement le chargement des billes caoutchouc calibre 50. C'est parti. Donc, pour insérer votre cartouche CO2, vous prenez la clé Allen qui est fournie dans le coffret. Vous l'insérez en dessous où il est marqué push. Vous tournez, enfin vous dévissez tout simplement. Vous pouvez faire le reste à la main. Donc là, vous avez l'emplacement CO2 pour la cartouche CO2. Vous la mettez à l'envers, comme ceci. Vous refermez. Vous pouvez commencer à la main. Quand ça commence à un peu être dur, vous terminez comme ceci. Une fois bien serré jusqu'à la butée avec votre clé Allen, vous appuyez d'un coup sec avec la paume de la main. Vous aurez un petit témoin ici qui va sortir, un petit téton, un petit témoin, pour vous dire que votre arme est sous pression. Donc à partir de là, votre arme sera chargée, prête à fonctionner. Ensuite, nous allons voir le rechargement des billes. Contrairement au HDR où il y a un barillet, vous allez pousser le ressort, le bloquer en butée. Et là, vous pourrez insérer vos billes par le dessous. Donc là, il y en avait déjà une à l'intérieur, une. 2, 3 et ainsi de suite. Vous pouvez en mettre jusqu'à 6. Pour bloquer vos billes, vous refermez le ressort, vous repoussez. Voilà. Donc là, l'arme serait prête à faire feu. Donc là, j'ai pas appuyé, je vous ai simplement montré. Donc l'arme serait prête à faire feu, tout simplement. Quelque chose de très très important. Une fois que vous avez tiré toutes vos billes, qu'il n'y a plus assez de puissance, que quand vous tirez, malgré qu'il reste du gaz à l'intérieur, quand vous tirez, il n'y a plus assez de puissance pour éjecter la bille. Ne dévissez pas par-dessous. Déjà, vous aurez un point très dur. Donc le joint, il est hyper comprimé. Vous appuierez directement sur ce petit téton pour chasser le gaz restant dans la cartouche. Vous pourrez ainsi dévisser votre cartouche en toute sécurité afin de l'extraire. Comme ceci. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. Abonnez-vous. Un petit pouce bleu me fait toujours plaisir. Et à bientôt dans une nouvelle vidéo.